du port de Soka. Ouais. La Ten Poison Ferris Wheel, qui est une des roues les plus hautes du monde, il me semble. J'ai une mauvaise, elle est très très haute. J'irai peut-être faire un petit tour. Et là, on a le pont, un des ponts qui traverse la baie. Là, elle monte à 112,50 m. Pas mal. Bien, me voilà dedans. Je pensais pas le faire, mais finalement, bon, il fait pas trop mauvais. Alors, la particularité de cette nacelle, c'est qu'elle est transparente. Eh oui. Donc, on voit tout. Quand je vais monter en hauteur, ça donnera un petit effet sympa. Alors là, ben, on commence déjà à monter tranquillement. Donc on va voir un peu jusqu'où ça va. Voilà le port de Osaka. Ces nombreux ponts. Et on monte tout doucement. Ah bah là on est en haut presque. Voilà, magnifique. Superbe point de vue. Sur la ville. Ouais, faut pas avoir le vertige, hein. Parce que quand même, hop. Suspendu. Allez, une grande tour là-bas. C'est cette tour par contre. Là on voit bien toutes les routes, hein, qui sont posées sur la. Qui traversent la baie. Sur le Ohashi Bridge. Pas mal. Donc voilà le grand aquarium d'Osaka, le Kaiyukan. Et la grande roue, j'étais il y a quelques minutes. Tout en haut, 112 mètres. Un bateau à voile qui avance en voile. ご視聴ありがとうございました。
これ乗ってくんないかな。いるね。ça ressemble à ça. すごい。しょうがない。
Thank you.
Hey, let's look at this shop. Oh, is it really a great idea to do that right now? Yeah. Did you see a shop? What's this like? Box of sardines.先ほど上の階でご覧いただいた水槽の水中部分になっていて、今皆さんの目の前には2種類のペンギンが近づいています。頭に白いリボンのような模様が入っている方、ジェンツーペンギンと言います。そして頭に模様の入っていない方、アデーリーペンギン、この2種類がいますので、ぜひ、はい、覚えて帰ってみてください。そして陸上のところにいたちょっと大きめの種類ですね、王様ペンギン。そう、今日皆さんがご覧いただいたのは3種類いますので、ぜひ、はい、この機会に覚えて帰ってみてください。そして、ね、今ペンギンたちお魚を食べるときに必ず頭の方から食べています。ぜひ餌の食べ方も注目してみてください。この時に使っている足を使って方向を変えたり上に行くことにもなります。いないですが、こうして月曜日と金曜日にだけ水の中で餌を食べている様子ご覧いただけるようになっています。今右側の窓で餌をあげています。例えば
そっちがちょっと見えにくいかもしれないですけど、ちょっと黒っぽい壁がありますね。ネットの非常通りに黒っぽい壁、あれは日本の名前は猫ザメと言います。目がね、猫の目みたいだから猫ザメって名前が付いているんですね。ですが、すごいね。潜るんだって。お兄さんたち潜るの？うわ！サンタさん、いろんなことやってるね。だからサンタさん、殴れちゃう。うん、見とって、見とって。Petit, petit.
partie de Osaka. C'est là où il y a Qatar Airways, en fait, je vais le voir. On va poser les questions sur les bagages. Et j'ai peur de dépasser. Voilà, c'est en fait aux immeubles. Quoi. Très grande ville, Osaka. Voilà, pas très loin des bureaux de Capcom. La ville d'Osaka. Vraiment une petite ville. Une petite promenade le long du fleuve. Alors, c'est là, il y a aussi beaucoup de galeries souterraines. Plein de magasins. Un peu comme Montréal. Là, c'est juste pour relier les différentes stations ou même aller à un bâtiment. Hein. Petite rue Osaka avec des restaurants. Un peu comme Pontocho à Kyoto. À Osaka, on est dans cet immeuble. Au cinquième étage, alors qu'il en compte beaucoup plus. On n'est pas très loin de chez Saibashi, voilà, sponsorisé par les jus de pommes. C'est bon, il est bon. Parce que c'est bon, il est bon. Ce sont donc des portes nucléaires, puisqu'elles s'ouvrent avec un processus de clé atomique. Sympa. Petite cuisine avec tout ce qu'il faut. Tri. Salle de bain. On laisse les affaires. Et là-dedans, il y a les toilettes. Et nous, on dort le temps. On met les affaires un peu comme on peut. Et voilà. Et là, c'est pas mal. Une petite penderie.